Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, on va faire un rendez-vol mycologique. J'ai pas dit mycologique, j'ai dit mycologique. On part de la maison avec un petit sac à dos. Petit sac à dos dans le dos. Et c'est parti, on va essayer d'aller trouver un petit spot avec des champignons. Et puis aussi avec un petit peu de redescente en parapente pour s'éviter... Je prends la voiture. Tchuss. Je sens que ça va être le sentier des clôtures. Ça en fait trois que je passe. Et la maison, elle est encore juste là. J'ai même pas fait 200 mètres. Mais je suis au milieu des champs de coton. Mais c'est pas vrai, c'est juste des chardons qui piquent. Belle bambée. Ça fait 1h15 que je marche. Je touche bientôt au but. Bon alors, il fait un peu noir parce que je suis dans la forêt et du coup je suis parti un peu tard, je suis parti à 7h20 de la maison, mais pour autant je suis pas venu pour rien et ça fait plaisir. Donc hop, rando, myco, logique et vol. Ça va être bon ça. Un beau petit cep. La grande ligne du cercle. Ah, très intéressant. On ne peut pas faire une rando mycologique sans parler du clitopile. Clitopile, qui sent le mousseron, qui est super bon et qui est un excellent repère pour les cèpes. On appelle ça la mère du cep. Un champignon qui n'est pas très rond, qui est plutôt difforme avec des lamelles. Qui se détache quand on gratte comme ça, la lamelle elle se détache, le bord du pied il est recourbé comme ça là, ça c'est très très symptomatique là, la petite boursouflure là qui re-rentre. Il est très très bon comestible, mais moi je le mange pas parce qu'on peut le confondre avec un champignon qui est toxique. Alors dans le sac ozone j'y ai mis une petite poche. Dans ma poche, j'ai mon sponsor, Popinel. Là, j'ai trouvé celui-là, et là, juste un tout petit peu au-dessus, j'en ai trouvé un autre petit. Là, j'en ai un beau spécimen. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir à trouver. Alors là, maintenant, je suis en train de me speeder pour. Monter en haut de la forêt, le jour vient de se coucher et du coup nuit aéronautique, il me reste 30 minutes pour aller je l'ai été renversé par une vache. Oh, encore un là. J'ai pas le temps, faut que j'aille décoller les mecs. Vous comprenez pas ça. Oh putain, encore un là. Ouais, donc je disais, avant d'être interrompu par moi-même, qu'il faut que je trouve un endroit pour décoller. Et l'endroit pour décoller, c'est tout à fait en haut. Faut que je traverse tout le bois. Et je suis pas arrivé. Allez, un petit dernier pour la route. Celui-là, il fallait que je vous le montre. Trop joli. Trop joli la petite terre. Hop, lui. Et son petit copain. Voilà. On est trop contents. On est des champignons. Ouais, ça y est. J'arrive à la lisière de la forêt. Et je ne sais pas ce que je vais trouver comme déco. À mon avis, il y a beaucoup de fougères. Il n'y a pas de pente. Il y a des arbres. Et en plus, il y a du brouillard. Mais c'est top moumoute tout ça. Bon, ben là, c'est la merde. Il y a du brouillard. Partout. On n'y voit rien.
Ça veut dire que la redescente en vol, c'est peut-être compromis, ça fait chier. Peut-être qu'avec un peu de chance, je vois que c'est en train de s'ouvrir un peu là-bas. Je vais attendre un petit peu. Ça y est, ça vole! Ça s'est ouvert! On rentre à la maison! C'est bon ça! C'est excellent! J'avais pas trop envie de me taper tout le trajet du retour à Pince. C'est super chouette! Allez, va falloir gérer la terre avec. Je pense qu'elle est pas bonne! Allez, je me dépêche, c'est trop de la balle. En bas, c'est le quartier avec ma maison qui est au bout de mon doigt là-bas. Voilà. Donc là, je sens bien le vent qui descend du sud, qui descend de la vallée. Il me pousse, il me pousse plutôt pas mal. Donc du coup, je vais pouvoir poser tranquillou comme je le sens. À la maison, c'est bon ça. Le prochain truc, ah. Hey, et voilà. Prendre au vol écologique, bon, je sais qu'ils ont un peu souffert pendant le transport. Prendre au vol écologique accompli. C'était un super plan. Franchement, l'éclate. Je me suis bien régalé.